voici. Aujourd'hui, je vous propose quelques exercices sur l'équilibration et pour terminer, la petite danse mexicaine. Qu'avons-nous besoin? Donc, toujours des chaussures plates et sûrement une chaise aujourd'hui. Voilà. N'hésitez pas à l'attraper ou faire un mouvement avec la chaise. Nous allons commencer par se maintenir bien droit. On se positionne bien sur ses jambes, sur ses pieds. Et on va lever le pied pendant 15 secondes. Donc, vous avez votre chaise près de vous. Si nécessaire, vous attrapez votre chaise. Elle est là pour ça. On maintient. Hop, voilà ce qui arrive. Donc, la chaise est là pour se retenir. Donc, on recommence. On se met, on tient. On se maintient bien droit. On change de pied. On dépose et on monte le pied. On maintient 15 secondes. Voilà. Très bien. Prochain exercice. Nous allons faire un talon pointe. Mais on va prendre sa chaise. On met ses doigts dessus ou on la tient bien. On va se mettre sur les pointes. Puis on va descendre. Et on va lever les pointes. On va se mettre sur les talons. Pointe. Talon. Un bon exercice pour les chevilles. Pointe. Talon. Pointe. Talon. Encore une fois. Pointe. Talon. Très bien. Prochain exercice, on va prendre la chaise. On va s'asseoir. Et on va arrondir le dos. Je vous montre peut-être comme ça. Donc, on inspire, on arrondit le dos en soufflant. On inspire, on se redevient. On souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on se redresse bien et on en arrondit. Encore une fois. On redresse, on arrondit. Très bien. Le prochain exercice, ce sera. Je regarde ma fiche. On va écarter les jambes, n'est-ce pas, comme ceci. On va plier le genou droit, on met ses mains sur sa taille, on plie et on redresse l'autre pied. On bascule sur la jambe gauche, on plie et on redresse le pied droit. On bascule, on redresse. On bascule. Et on redresse. On bascule. Encore une fois. On bascule d'une jambe à l'autre. On redresse. Encore une fois. Et voilà. Après ceci, nous allons faire comme une roue, c'est-à-dire, on va plier les genoux, on va mettre sur ses pointes, on va redresser et descendre. Je vous montre. On plie le genou, on se met sur les pointes de pied, on redresse et on descend.
on plie, on se met sur les pointes, on redresse, on descend. On plie, pointe, redresser, descendre. Plier, pointe, redresser, descendre. Plier, pointe, redresser, descendre. Plier, pointe, redresser, descendre. Encore une fois. Plier, pointe, relever, descendre. Très bien. Et alors, pour terminer nos exercices, quelque chose à peu plus gai, nous allons prendre notre chaise et on va faire des mouvements en quatre temps. Pour commencer, on soulève la jambe et on fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On shoot maintenant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On balance la jambe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On shoot. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà pour les exercices. Maintenant, nous allons faire, pour se décompresser, la petite danse mexicaine. Pardon. Donc, c'est 1, 2, et on tape deux fois dans les mains. Puis c'est devant, côté, arrière, revenir. Devant, côté, arrière, revenir. Après ça, c'est 1, 2, 1, 2, les deux, 1, 2, et un grand rond avec les bras. Voilà. Je vais mettre la musique pour danser, c'est plus gai. Hein? Et on commence avec le refrain. Hein? Les pieds devant, côté, arrière, revenir, côté, revenir, devant, côté, arrière, revenir, devant, côté, arrière, revenir. Deux, un,
2 et un grand rond. Et voilà, ainsi termine cette petite routine. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a fait du bien. Mais à bientôt. Au revoir.